Les 16 concurrents du prix du gazo viennent de s'élancer pour 2900 mètres. Il s'agit d'une course attelée pour chevaux âgés de 6 à 9 ans. On est très mal parti avec Vanille et Noyau. On est bien parti au contraire avec Ultramontain et côté corde avec le numéro 4, Uno Cazone. Alors qu'en troisième position, on vient maintenant avec Tijuana. On est en quatrième position avec Talion Prior et on vient également tout à l'extérieur avec Vlakova Duplessis. Le numéro 10, Vanille et Noyau, a été disqualifié. Le premier tournant, abordé en tête côté corde par Ultramontain, alors qu'à son extérieur, on vient avec Tijuana. On vient également à l'extérieur en troisième épaisseur avec Vlakova Duplessis, alors qu'Uno Cazone est en quatrième position plutôt côté corde, avec également à son extérieur Unique des Landes. Dans son sillage, Hubert de Nganda, Texan Dub descend le long de la corde en 7-8e position avec Talion Prior, et on fait un bon effort à l'extérieur avec Ufangio, et on lui emboîte le pas avec le numéro 12, Sophia Duparc. Pour aborder le deuxième tournant avec Vlakova Duplessis qui prend maintenant l'avantage. Mais Ufangio vient maintenant à son extérieur en troisième position. Nous avons toujours Tijuana en compagnie encore à l'extérieur de Nick Deslandes. On l'accorde Ultramontain alors que dans son sillage nous avons une occasion avec à l'extérieur un bon rapproché du numéro 12 Saphir du Parc alors qu'on est en sixième position avec Hyper de Nganda. Dans son sillage une sensia d'œuvre accompagné encore par Texan du Besson. Villablou vient ensuite avec encore Talion Prior, Talien encore un peu plus loin Uriel et Damien. Avec également le numéro 14, Vertige de Chenu. Avec Vlakova Duplessis qui a l'avantage, on vient à son extérieur avec le numéro 9, Ufangio, alors qu'on est troisième avec le numéro 8, Tijuana. Avec encore en quatrième position, plutôt à l'extérieur, Unique des Landes, alors qu'on est le long de la corde avec Ultramontain, et on est encore un peu plus loin avec Saphir du Parc, alors qu'à son intérieur, nous avons une occasion. Texan Dubisson est au centre du peloton en compagnie de Hubert de Nganda et on tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur avec Villablou. Pour passer devant les tribunes, pas de changement en tête, à savoir Vlakova Duplessis, le numéro 6, accompagné toujours par Ufangio, le numéro 9, en troisième position, toujours Tijuana, accompagné par Unique des Landes, alors qu'on se rapproche également à flanc de peloton avec Ustanzia d'Oeuvre, et on est dans son sillage avec Villamou, en 6-7e position, le numéro 4, Uno Cazone, accompagné par Ultramontain, on est à l'arrière-garde avec Talion Prior, avec Vertige Chenu, et également avec Hubert de Nganda, ainsi que Rian Lamine. Moins de 1000 mètres à parcourir, Vlakova Duplessis qui a l'avantage, Ufangio qui est toujours en deuxième position, au vent, il est bien placé dans la corde avec le numéro 8 Tijuana. En quatrième position, nous avons toujours Ustanzia d'Oeuvre, Villablou qui est en cinquième position en épaisseur, alors que dans la corde, nous avons Unique des Landes, Talien est un peu plus loin, en compagnie de Uno Cazone, Uriano Damin qui s'est rapproché en 7-8e position, alors qu'on se montre fautif actuellement avec le numéro 9 Ufangio, alors que le numéro 5, Ultramontain, a été disqualifié. Ils sont au bout de la ligne d'en face avec Vlakova Duplessis qui est l'avantage, mais on vient maintenant à son extérieur avec Villablou avec en deuxième position Tijuana. On vient également avec une Sanciadeur tout à l'extérieur Talien avec dans son sillage nous avons le numéro 16 Uriel Lamine alors que le numéro 9 Ufangio a été disqualifié. La dernière ligne droite avec le numéro 13 Villablou avec en deuxième position maintenant Vlakova Duplessis menacé pour la troisième place par Talien mais surtout à l'extérieur par Uriano Damin. Il lui reste 100 mètres à parcourir. Villablou qui a l'avantage, Uriano Damin qui finit de plus en plus vite avec Talien aux abords du poteau avec Villablou qui a toujours l'avantage et qui va résister jusqu'au bout à l'attaque de Uriano Damin. La troisième place pour le numéro 11 Talien, la quatrième place pour le numéro 4 Uno Cazone devant encore Unique des Landes.